Stop aux idées reçues, la présence de punaises de lit n'est pas liée à un manque d'hygiène. Comment s'installe-t-elle chez nous? Ces petites bêtes indésirables peuvent se glisser dans nos valises. Le gouvernement a identifié certains lieux comme étant à haut risque. Voici la liste. Foyer d'hébergement, prison, hôpitaux, crèches, autobus et avions. Comment reconnaître les punaises de lit? Les punaises de lit sont visibles à l'œil nu malgré leur toute petite taille. Elles ressemblent à un pépin de pomme aplati et se déplacent uniquement sur ses pattes à vitesse d'une fourmi. Où se cachent-elles? Les punaises de lit sont des insectes nocturnes. Les premières semaines, elles se cachent près de l'endroit où elles se nourrissent, dans votre literie, le sommier ou encore le matelas. Lorsque l'infestation devient plus importante, vous les verrez apparaître sur le mobilier de vos espaces de vie ou encore sur vos objets de décoration. Ce qu'elles apprécient le plus, les espaces sombres à l'abri de lumière pour y pondre leurs œufs. Les œufs sont pondus isolés ou en grappe. Souvent, cela se manifeste par l'apparition de piqûres sur les bras, les jambes ou encore le dos. Et elle s'accompagne généralement d'une traînée de sang sur le lit due à l'écrasement des punaises durant le sommeil. Comment s'en débarrasser?